Le docteur Selahattin Berdouan, chirurgien orthopédiste, le président de la OCAS, l'Algerian Orthopédic Club Sport Surgery. Alors, Lyon, nous sommes dans la quatrième édition de nos master courses, de nos congrès. Et pour aujourd'hui, on a eu la chance de discuter sur la pathologie de la cheville et du pied, que ce soit le traumatique, l'arthroscopique, la chirurgie sportive et aussi la chirurgie pédiatrique. Et nous avons eu la chance de partager l'expérience avec des experts et des chirurgiens algériens et étrangers qui nous sont venus un peu de partout d'Europe et d'Afrique. L'association, bon, la OCAS, bon, ben, c'est une jeune association qui est là depuis maintenant 3 ans officiellement, mais elle date depuis le post-Covid, comme on l'a toujours expliqué. C'est un peu grâce au Covid qu'on existe. Et voilà, c'est une jeune association qui s'inscrit dans le cadre des autres associations et vient agrémenter un peu le domaine et la spécialité de l'orthopédie algérienne. Et on est vraiment très content aujourd'hui avec une participation presque record, plus de 300. Et bon, on a dû appeler nos prestataires pour nous imprimer d'autres badges pour demain, Inch'Allah. Et puis, nous remercions aussi nos sponsors. Sans eux, on n'aurait pas vraiment pu faire cet événement. Je remercie surtout les membres du bureau qui ont vraiment travaillé et le président de cette journée, le professeur Louahem, avec qui on a fait beaucoup de sacrifices et de concessions. Mais le résultat, on est vraiment très, très content de voir ce bon nombre, jeunes et moins jeunes, assistés de tout le pays, des pays aussi, qui sont venus des pays voisins et amis, assistés à notre congrès.